les filles, c'est pas ce que je préfère. Non, bah ça, j'avais bien compris. Mais à 16 ans, c'est plus l'enfant, ça va, quoi. Mais elle est mineure. Hein. Armand ! Tu crois sérieusement que tu pourrais coucher avec une fille, hein ? Non, mais il faut pas être si dur que ça. Et si ses parents ne sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Ça va chier. Il y a beaucoup, quand même, une espèce de, on va dire, de dialectique qui s'est exercée, on va dire, entre le, ouais, entre documentaire et fiction, enfin, entre naturalisme, on va dire, et merveilleux ou cinéma de genre. Et en même temps, c'est marrant parce que moi, quand même, c'est la, il me semble que c'est la première fois que je me laisse aller à des trucs sans me poser la question de est-ce que je dépasse, est-ce que je franchis les bornes ou autre. Alors, je sais que là où j'ai bien, essayé de bien tenir le truc, c'était sur les séquences de sexe, où je voulais de la crudité sans tomber dans l'obscène. Voilà, il y avait quelque chose, une limite à ne pas franchir. Mais si, mais il y a 4-5 ans, par exemple, j'aurais jamais fait courir un mec en slip devant une nana, et surtout et en envoyant les violons, enfin en envoyant quand même de la musique. Il y a quand même un côté assez mélodramatique dans l'affaire, quoi. Il me semble qu'on y a été assez gaiement, quoi, dans cette affaire-là. L'enjeu de ce film, c'est ça, c'était aussi pour moi de retrouver un peu une nouvelle liberté, quoi, de ne pas continuer à me coincer dans, alors, dans une espèce de posture auteuriste qui fait qu'on essaie toujours de rester dans du bon goût et sans aller franchir le Rubicon, quoi. Mais, ouais, c'était ça, c'était important, ouais, c'était ça. C'était vraiment retrouver une nouvelle liberté, ça, c'était quelque chose de je sais pas, sans se figer. J'aime bien, généralement, penser la musique en amont du tournage. Chaque fois, enfin, il y a un film sur lequel ça m'est arrivé de proposer à un compositeur, même d'avoir, même pour le coup, il y a 3-4 compositeurs qui sont venus sur le coup et de leur proposer de mettre de la musique sur le film, quoi, c'est-à-dire avec des images, avec déjà un premier montage, et ça a été, et puis ça m'a pas plu, quoi, voilà, donc. Là au moins avec, enfin je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'avec Xavier il y a eu aussi une rencontre entre le projet, parce que pendant que je tournais, lui il composait, voilà, il est parti sans écrire, sans voir une image forcément, quoi, c'est-à-dire il m'a renvoyé un DVD, le CD c'était pendant le tournage, quoi, voilà. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux dans ce sens-là, quoi, voilà. Et après on a monté avec ce qu'avait composé Xavier, quoi. En gardant des trucs, en enlevant d'autres. Dans la musique de Xavier, ce que j'avais entendu auparavant, quoi, hein, y a toujours ça qui me plaît quand même. C'est vrai que vous citiez Morricone, enfin, y a de la référence, y a de l'influence qui est là très fortement, quoi, mais j'aime bien moi-même citer les génériques de Hawaii Police d'État ou de Manix. J'ai l'impression que c'est là quelque part, mais c'est de l'influence qui est extrêmement bien digérée et avant d'être ressortie, quoi. Voilà, donc qui donne quelque chose de... c'est ludique et en même temps hyper profond, quoi. Ça donne quand même quelque chose d'hyper bien senti toujours, quoi. Même si, effectivement, il y a toujours ça qui, en background, quoi, qui traîne derrière, quoi. C'est vraiment le premier film dans lequel je mets de la musique qui ne soit pas in, quoi, sur des images. C'est le truc qui justement m'a toujours un peu fait peur, quoi. C'est vrai que j'avais plutôt tendance à me dégager du pathos, à être dans une espèce de, on va dire, de douce distance par rapport à tout ça, quoi. Tout en état. Et puis la musique, j'avais l'impression que ça faisait un peu, ça débarquait de la planète Mars et ça me plaisait pas. Et là, le fait que justement il y ait eu la... Oui, que les deux aient coïncidé, quoi, que ça se soit rejoint à un moment comme ça, vu qu'il n'est pas question de plaquage, quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça fout du corps, ouais, c'est plus de l'ampleur et du souffle finalement, quoi, hein, que ça amène à tout ça, quoi. Quand j'ai regardé le film sans musique, effectivement, il y avait des moments, je me disais, tiens, ben, oh merde, tout ça est d'une platitude, quoi. Alors, ouais, j'avais notamment une balade en vélo, quoi. C'était bien, quoi, même du... Bon, et là, pour le coup, on n'est pas dans du pathos. Il y a eu une fois où je me suis dit, tiens, quand même, je vais peut-être prendre le temps d'écouter le film, sa musique, voir ce que ça raconte. Parce qu'on avait vachement bossé avec la musique tout le temps. Et il y a des endroits où je me suis dit, tiens, ouais, c'est pas spécialement évident. Mais il y a des endroits où
Où je trouvais ça imparable, effectivement. Où ça. Voilà, ben, c'était ça, quoi. C'était ça qu'il fallait. Wouhou ! C'est génial, ton truc, Armand ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je vais te faire l'amour. Aussi, oui, tout ça pour se rendre compte après coup que PDI restera. Mais maman, c'est pas peine de venir, il a fini. On a affaire à un sacré gaillard. Et moi, je me suis mis à bosser sur le scénario que j'avais adoré, qui me semblait imparable. Et puis, on s'était dit, il n'y aura pas de thème, il n'y aura pas de. Ça va être que des choses séparées. Et puis, finalement, on a fait tout le contraire. On s'est retrouvé avec un thème qui n'a pas vraiment été décliné, mais quasi. Et puis, en effet, après, ce qui décide du film, c'est tout un tas de choses. Hein. Ce qui concerne le montage. Il y a eu des situations où il y avait beaucoup de musique, puis au bout du compte, le film, une fois qu'il a été livré à lui-même, ne nécessitait pas trop de rambarde. Et c'est vrai que là, comme le film, il y avait une espèce de clarté comme ça, immédiate, c'est vrai que le fait que ce soit assez dépouillé musicalement, ça renforce bien la congruité de l'ensemble. Je trouve toujours la musique en jouant, parce que je ne sais pas l'écrire, donc c'est une sorte de... Le fait d'être analphabète fait que c'est un truc qui est entre l'impro et puis la mémoire, et souvent c'est en essayant de reproduire des musiques qui existent déjà de mémoire que j'arrive à composer des trucs qui ne ressemblent plus à la source, en fait. Mais il y a quand même une espèce d'attention très particulière à faire exactement parfois comme ce que j'aime, quoi. Mais il y a une chose à laquelle je me suis toujours accoquiné dans la musique, c'est le problème de l'émotion. Donc forcément, il faut qu'elle soit le plus, presque le plus gorgée de pathos possible. Et ça, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle.